C'est Noël demain et le Père Noël est dans les starting blocks. Toute la journée, nous allons vous diffuser vos chansons préférées. Bonjour, Pa. Bonjour. Tu sais que le médecin a dit que si tu sortais plus, tu récupérais plus rapidement. Tu te sentirais vraiment beaucoup mieux. Tu as raison. C'est pas grave. Si tu préfères, on n'aura qu'à sortir demain. Oui, d'accord. Tu sais quoi? Cette nuit, j'ai rêvé d'un étalon. Il était magnifique et j'aurais voulu que tu puisses le voir. Ah, je vois. Ça doit être un kelpie, à mon avis. C'est quoi, kelpie? Oh, je vais pas t'enquiquiner avec ça. Ah, si, j'ai envie de savoir. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est effrayant. C'est pas pour les enfants. Bon, d'accord. Mais je t'aurais prévenu. Les kelpies étaient des créatures de légende qui pouvaient prendre plusieurs formes. Alors parfois, ils se transformaient en magnifiques chevaux. Ils vivaient près des lacs. Ils pouvaient prendre la forme d'un être humain ou bien d'un cheval. Et le plus surprenant chez les kelpies, c'était qu'ils avaient la capacité de voir ce qui se trouvait au plus profond du cœur des gens. Alors s'ils voyaient de la méchanceté, ils réussissaient à convaincre les méchants, et surtout les enfants méchants, de grimper sur leur dos. Là, ils plongeaient au fond du lac. Et on ne revoyait jamais les méchants cavaliers. Ils se noyaient ? Ça, personne le sait. On les dévorait? Personne le sait. Tu l'aimes bien, celle-là, Snix? Ok, ok. Waouh, qu'est-ce que ça pue ici? Mais comme vous le voyez... Mère! On est loin de Las Vegas et de son ambiance. Arrête de m'appeler comme ça, je trouve que ça me donne un coup de vieux. Et surtout, tu fais pas l'andouille. Il faut que tu fasses bonne impression ce soir. Ça y est, son nouveau cheval est prêt? Ouais. Mais il est nerveux. Molly, joyeux Noël, chérie. Allez, vas-y, il est à toi. Il est magnifique. Je le montrerai tous les jours. Vous êtes magnifique. Chérie, reste calme, d'accord? Mais les mains en avant. Garde les mains en avant, ma chérie. Je veux descendre. Ne tire pas sur les rênes. Il faut juste que le cheval s'habitue à elle. Veuillez la faire descendre. Attends. Je veux plus de ce cheval. Il te faut un peu de patience, chérie. Je viens de vous dire que je n'en voulais pas. Je t'en prie. Il faut juste que vous vous habituiez l'un à l'autre. Et après, ça ira très bien, je te le promets. C'est ça, le cheval que vous m'avez vendu une fortune? Ça ne va pas se passer comme ça, je vous le dis, moi. T'inquiète pas de tout ce que ces nuls peuvent bien dire de toi. T'es un cheval spécial. Mon père dit toujours que parce que t'es spécial, ça veut pas dire que t'es meilleur que les autres. Non, ça veut dire que t'as un truc en toi, un truc que personne voit. On est spéciaux tous les deux. Alors comme ça, tu te trouves spécial? Non. Tant mieux. Il paraît que ton père est handicapé. C'est sans doute pour ça qu'il s'y connaît sur le fait d'être spécial. Tu n'es qu'une palefrenière, alors laisse mon cheval tranquille.
Ça ne pouvait pas être pire. Il faut que je lui trouve un nouveau moniteur. Evie, n'oublie pas que tu dois venir demain nourrir les chevaux et nettoyer l'écurie. Mais c'est Noël, monsieur McCarran. Oui, je sais. L'employé de papa est en congé et il va avoir besoin... Evie, tu sais bien que je prends des risques en te gardant. Tu es trop jeune. Tu ne peux pas fournir le travail que j'attends de toi. Mais je t'aime beaucoup. Tu as besoin de ce travail et si tu ne viens pas, je devrais embaucher quelqu'un pour te remplacer. Non, non, ça va aller. Ça va aller, je serai là demain. Je te souhaite un joyeux Noël. Joyeux Noël à vous aussi. Quel magnifique cheval. Comment se fait-il que certaines personnes ont tout ce qu'elles désirent, pendant que nous autres, on reste là à les regarder? Va, je suis rentrée. Il faut que tu tiennes le coup, et tu vas voir, ça va aller. Avoir une vie qui est riche, ça veut pas dire qu'on a plein d'argent. On est riche au fond de nous, tu le sais. Il faut être une personne vraiment très spéciale pour réussir à avoir une belle vie. C'est ta façon à toi de me dire que finalement, c'est sûrement mieux que j'ai pas de cheval. Si c'est le cas, je t'avoue que j'ai un peu de mal à te comprendre, papa. Non. Ce que je veux dire, c'est que ce que tu crois être un avantage n'en est pas forcément un. Parmi les gens les plus riches que j'ai connus, pas un n'était aussi bon que toi. C'est ce qui fait que tu es spécial. Et je ne serai plus rien sans toi. Faut aller se coucher. Il te faut un peu de patience. Je viens de vous dire que j'en voulais pas. Evie, est-ce que tu veux bien nous montrer comment on doit monter? Tu es fantastique, Evie. Est-ce que tu m'apprendras? Avec joie. Papa? Bonjour à tous nos amis du Vermont. Nous allons vous diffuser vos chansons préférées. Or the mistletoe, but save me the cliche, 'cause by Christmas Day the streets are filled with dirty snow. Snow. Isn't it funny wasting money on things nobody knows? Christmas is never what it seems. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, vous avez droit à un cadeau. Qu'est-ce que vous diriez d'une belle botte de foin? Bravo! Lequel d'entre vous a fait ça? Y a quelqu'un? Y a quelqu'un?
calme-toi. Doucement. Calme-toi. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu es magnifique. Où est ton cavalier? T'en as pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Vous m'entendez? Eh oh! Votre cheval est là! Et j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Allez, viens, mon vieux. Je t'emmène à l'écurie avant que t'attrapes froid. Allez. Avance, dépêche-toi. Je vois pas ce que tu veux que je fasse. Non, c'est tout à fait hors de question. Je ne monte pas un cheval que je ne connais pas. Si tu refuses encore d'avancer, tu n'iras pas dans l'écurie bien chauffée. Je sais que tu veux pas que je t'abandonne. Non mais tu fais quoi? Non mais qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Je te préviens que si jamais tu me fais tomber, je vais piquer une de ces colères. Est-ce que tu m'as compris? Ok? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce qui se passe? Je sens que je vais me prendre une de ces engueulades. Et il y en a qui croient pas au réchauffement climatique. Tu crois qu'on a voyagé dans le temps? On est dans un endroit que je connais pas, en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête de me regarder. Ça me plaît pas du tout d'être ici. C'est incroyable. Je reconnais rien du tout. Tu sais quoi? C'est pas possible qu'on soit dans le vernis. Franchement, c'était pas cool, tu sais. T'imagines? Elle m'a regardé droit dans les yeux et elle m'a dit: alors comme ça, tu te trouves spéciale? Et moi, je suis restée là comme une idiote et j'ai répondu: comme une grosse nulle, tu vois. T'es sûr qu'on est sur le bon chemin? Bon, super. Parce que mon père va flipper si je reviens pas vite à la maison. Attends.
entrer. C'est quoi cette lumière ? Je crois que c'est elle. Certainement. Oui, elle est là, c'est elle. Vite, va le dire au centre. Elle lui ressemble pas beaucoup. Regagnez tous vos places, dépêchez-vous. Bonjour, Evelyn Flynn. Qui êtes-vous ? Comment vous savez mon nom ? Je t'attendais depuis très très longtemps. Où est-ce que je me trouve ? Tu es dans la caverne des révélations. Ici, on voit les choses telles qu'elles sont réellement. Des pierres de cette caverne ont été utilisées pour forger le sceptre de la vérité. Tu n'es pas arrivée ici par hasard, Evelyn Flynn. Qu'est-ce qui se passe ici ? La caverne essaye de te montrer quelque chose. Ici, nous sommes dans le monde d'Albion. Albion était la terre des Danann, un peuple pacifique et désintéressé. Les Danann possédaient 4 trésors anciens qui maintenaient l'harmonie au sein de leur peuple. Personne ne peut mentir en présence du sceptre de la vérité. Et grâce au chaudron d'abondance, nous ne connaîtrons jamais la fin. La flamme du savoir est quant à elle la réponse à toutes les questions. Et le livre de la guérison soigne tous les maux. Un jour, les Milésiens sont arrivés, naviguant sur des nuages noirs en provenance des îles du nord du monde. Avec à leur tête, le diabolique et avide général Eder. Il venait pour s'emparer des 4 trésors et anéantir le peuple des Danann. La reine des Danann, qui était désireuse de maintenir la paix dans son royaume, ordonna d'aller quérir l'Abbesse, un être magique qui vivait à l'écart du monde entier. Elle négocia un traité sous le signe de la magie. Il fut donc décidé qu'Albion serait divisé en deux. Mais suite à une monstrueuse tricherie, le vilain général milésien choisit la partie supérieure d'Albion, condamnant ainsi le peuple des Danann au monde souterrain. Le général était obsédé par le désir de se débarrasser du peuple des Danann. Chaque année qui passait renforçait un peu plus son idée fixe. Et là, on aurait dit que le jour dont il rêvait était enfin arrivé. Je pense que là, c'est bon. Elle est contente, à ton avis ? Elle n'a encore rien dit. Oh. Est-ce que je suis dans un autre monde ? Je suis dans un autre monde ? Il y a des limites entre nos deux mondes qui sont en perpétuelle évolution. Evie. Chère Evie. Le peuple des Danann a besoin de ton aide. Réveille-toi. Réveille-toi! Réveille-toi, petite! Qui es-tu? Et dis-moi ce que tu fais là! J'en ai vraiment aucune idée. Et d'où est-ce que tu débarques? Du Vermont. Mais c'est où, ça, cette terre du Vermont? À vrai dire, je comprends pas la question. Pourquoi est-ce que t'as volé mon cheval?
Je sais que t'es pas mon cheval, je posais juste... Tu veux bien me laisser finir d'interroger ma prisonnière, s'il te plaît? Donc je te disais, pourquoi as-tu volé mon cheval? Non, je vous jure, j'ignorais qu'il était à vous. Inutile de jurer, tu ne peux pas mentir, de toute façon le sceptre de la vérité t'en interdit. Toi tu te tais, on t'a rien demandé. Si ça se trouve, c'est une espionne. Comment ça? C'est toi qui me l'as amené ici. T'es devenu fou ou quoi? C'est une mission très périlleuse. Il y a un risque de mort, je te rappelle. Hey, ça sert à rien de s'embarrasser d'une gamine hey morte de trouille. Tu veux bien te taire, moula à parole? Non, pas question. Qui êtes-vous? Et d'où êtes-vous? Et pourquoi faites-vous comme si vous aviez une vraie conversation avec ce cheval? Tu es une drôle de fillette, Evie. Comment se fait-il que tout le monde sait comment je m'appelle? Dagda me l'a dit. Et qui c'est, Dagda? Le Kelpie. Hein? Le cheval. Non, il est hors de question qu'elle parte avec nous. J'irai nulle part avec... Ça, c'est sûr. Rends-moi le sceptre. Et on te laissera tranquille après ça. C'est le sceptre de la vérité? Oh, bien sûr. On est en possession d'un objet extrêmement puissant. Et toi, tu te promènes en le criant sur les toits et en le racontant à absolument tout le monde. Il m'a rien dit. C'est la caverne des révélations qui me l'a dit. Il y avait aussi un drôle d'homme. Ah bon? Il paraît qu'ils font de la magie dans cette caverne. On raconte qu'il y a des histoires extraordinaires d'hommes qui se transforment en chevaux. Ils appellent ça des kelpies. Mais moi, je suis sûre que ça n'existe pas. Toutes leurs histoires, c'est n'importe quoi. Je te remercie. S'il vous plaît, aidez-moi. Il faut que je rentre à la maison, mon père a besoin de moi. C'est Noël en plus. C'est quoi Noël? Vous savez pas ce que c'est Noël? Les rennes. Le père Noël et ses lutins qui l'aident à distribuer des milliers de cadeaux aux petits enfants du monde entier. Navrée, j'ai trop de boulot. Si tu savais tout le travail que j'ai, je dois sauver mon peuple bien-aimé de... Oh, c'est difficile à expliquer. C'est quelque chose de très délicat à faire, je t'assure. Non, il est hors de question qu'elle vienne avec nous. Cette gamine n'est pas très nette, crois-moi. Voudrais-tu venir avec nous vivre une aventure qui n'a absolument rien à voir avec toi et qui en plus n'affectera en rien ton avenir en aucune façon, mais qui néanmoins, en tant qu'enfant innocente et fragile, risque de te faire perdre la vie? Non. Bien, j'aurais essayé. Allons-nous-en. Attendez, comment je fais pour entrer? D'accord. Notre toute première mission consiste à retrouver la flamme du savoir. Parce que Dagda est persuadée qu'elle te montrera le chemin, si tu acceptes de venir avec nous, bien sûr. Je suis partante. Parfait alors. On retrouve la flamme et je rentre chez moi. On verra. Tiens ça. Il faut se mettre en route. Les Milésiens utilisent la météo pour nous suivre. Et on dirait qu'il va pleuvoir. Aller plus vite que la pluie. Tiens, mets cette cape. Elle te protégera. Thank you.
Ça va beaucoup mieux. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je suis sûr que quelqu'un essaye de m'assassiner. Montrez-moi tous vos mains. Tous, j'ai dit. Allez-y ! Montrez-moi vos mains. Vous entendez ? Levez tous les mains. Désolé, monseigneur. C'est une trahison. C'est qu'un petit bout de riz. J'étais en train de préparer votre mouton. Un mouton ? Un mouton ? Oh, j'adore le mouton. Oui, bien sûr, je le sais. Il y a du mouton là-dedans. J'étais en train de le découper comme on doit glisser sur le couteau. C'est trop idiot. Ce misérable mouton. Seriez-vous assez généreux pour me rendre mon index, qui était si utile ? Je vais faire un saut chez la couturière afin de voir si elle pourrait recoudre ce petit coquin. Trucidez-le. Non, non, monseigneur. Non, 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 non. Non, vous êtes trop gentil, monseigneur, trop, trop gentil. Oh. Étripez-le. Non, non, non. Attendez, non. Attendez. Je préfère qu'il reste entier. Jetez-le dans un cachot qui sera vraiment horrible. Je vais réfléchir à ce que je vais faire de lui. Non, 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 non. Bien fait. Ereman, mais qu'est-ce que tu fais là ? Vous m'avez fait demander, monseigneur. Ah ! J'ai vu quelque chose. Un flash. Pendant qu'il pleuvait, ça a disparu. T'as envolé. J'ai ressenti... Et quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, depuis très très longtemps. J'arrive pas à mettre mon doigt sur ce que c'est. C'est très étrange. Mais on aurait dit de la magie. Ça avait la forme d'une enfant. Écoute, Raymond, je veux que tu recherches cet enfant. Retrouve-la. Et désintègre-la. Je ne persécute jamais les petites filles, parce qu'elles ne représentent jamais aucune menace. Est-ce que tu essayes de m'insulter, Raymond ? Non, monseigneur. Il est inutile de chercher la bagarre maintenant. Si tu refuses de respecter mes exigences, sache que je sucerai bientôt tes os jusqu'à la moelle. Vous aurez son cœur sur un plateau, monseigneur. Merci. Alors, va la chercher à travers les montagnes. Monseigneur. Pas peur, surtout. Ils ont dû installer leur camp pas très loin. Bon, c'est pas le tout, mais moi, je meurs de faim. On n'a pas le temps de manger. Parce que si on n'est pas rentré d'ici 5 jours... Eh ben quoi ? T'as peur d'être puni ? En quelque sorte. Je retournerai sous la terre. Sous la terre ? Le traité nous octroie un délai de 5 jours à chaque pleine lune pour faire le plein de provisions, de façon à ne pas mourir de faim. Une fois que la lune a terminé son cycle, si tu fais partie des Danann et que tu te trouves au-dessus du sol, tu intègres la terre. Oui, mais n'empêche, si je mange pas d'ici là, je serai sûrement morte de faim. Tu es une drôle de fille, Evie. Je peux te poser une question ? Si je te dis non, est-ce que tu te tairas ? Pas sûr. Je voudrais pas te vexer en me disant ça, mais pourquoi est-ce que les Danann n'ont pas envoyé une armée à la recherche des trésors ? Ça, c'est une bonne question. Aucune armée ou aucun de ses chefs ne peuvent franchir la frontière tant que le traité n'est pas modifié. Des guerriers ont essayé et ils ont échoué. Alors il ne restait que toi ? Comment ça que moi ? Ils m'ont choisie pour cette mission. J'étais la plus forte, la plus douée et la plus intelligente de tous les Danann. Waouh !
Waouh, c'est vraiment cool. Ouais, c'est ça. Comment sais-tu où on doit aller? Dagda sait comment aller retrouver l'abbesse. Et puis pour le reste, on se débrouillera. Et l'abbesse? Elle est gentille? Aucune idée, je l'ai jamais vue. Mais je sais que c'était une grande alliée des Danann depuis des années, après la catastrophe. Certains croient qu'elle est décédée. Dagda n'est pas d'accord. Est-ce que les autres le comprennent aussi? On dirait qu'il nous suit. Oui, j'ai entendu. Nous y allons, ça y est. Oh, non, 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 pas mes cheveux. Pas mes cheveux. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens te sauver. Quelle question? Mais j'ai pas besoin qu'on vienne me sauver. Retourne chez toi, Lyre. Vous connaissez tous les deux? Les parents de Lyre sont les gardiens du sceptre de la vérité. Ce qui a pour conséquence que Lyre est devenu incapable de mentir. Alors, si on ajoute à ça une vanité renversante, c'est pas évident de discuter avec lui. Je suis pas vaniteux. Ah ouais? Je suis juste conscient que je suis l'individu le plus intéressant de la planète. Et de toutes celles de l'univers. Oh, waouh, t'es sérieux? Bien sûr que je suis sérieux. Tu me prends pour qui, voyons? Quelle demeurée? Je l'aime pas du tout, ton copain. Va-t'en, maintenant. Ne crois pas que tu peux récupérer le sceptre de la vérité et partir je ne sais où avec. Les anciens seront furieux. Et les anciens, ils vont faire quoi, eux? Qu'est-ce que tu préconises? Qu'on attende sans rien faire? Il est en train de se passer quelque chose, Lyre, je le sens. Où sont tous les autres? Je sais pas, ils se sont perdus. Non, c'est pas du tout leur genre. T'es pas d'accord? Ben, j'en sais rien. Ouais, ben moi non plus. Il faut qu'on retrouve l'abbesse. L'abbesse? Toutes les deux? Non mais vous cherchez la sorcière. Tu crains quelque chose? Non. Enfin, si. Pourquoi tu changes d'avis? C'est que j'ai réalisé tout à coup que je ne pouvais pas vous laisser y aller toutes les deux seules. Non. Si. Non. Si, je t'assure que c'est vrai. Je vois bien que ça ne te fait pas plaisir que je vienne avec vous. Mais je voudrais que vous sachiez que votre déception est à la hauteur de la contrariété qui est la mienne d'être si mal vêtue pour une telle aventure. Reste hors de ma vue. Quant à toi, on t'a rien demandé. Comment est la vue de là où vous êtes, preux chevalier? Franchement, vu de dos, c'est encore là que tu es la plus belle. Je crois que tu l'aimes bien. Alors là, tu dis n'importe quoi. Ça se voit que tu l'aimes. Il est vraiment mignon. Même si je trouve qu'il se la pète un peu trop avec toutes ses manières. Sur mes sentiments, Evie. Je ne suis pas plus attachée à lui que s'il était une sangsue qui s'accrochait à ma peau, si tu vois ce que je veux dire. On dit souvent que l'amour et la haine sont très proches. Bon, ça suffit avec ça. C'est pour ça que tu le houspilles. C'est ta façon de le draguer. Tu es complètement... Charis! Mara! Les moissonneurs. Ils se transforment déjà. Ça ne fait que 3 jours et ils retournent à la Terre. Alors tu me crois maintenant, quand je te disais qu'il leur était arrivé quelque chose? Et qui est-ce qui a pu faire ça? Ils tuent nos moissonneurs afin qu'on meure de faim. Les Milésiens vont me le payer. Il faut qu'on y aille. C'est trop dangereux de faire la route de nuit. Ils se sont enfuis à dos de cheval. Vers l'ouest. Il y a 2 femmes. Les traces sont peu profondes. Pas un endroit pour nous ici. Les Milésiens. Ces personnes devraient rester dans l'ombre. En route. C'est une autre caverne? Dagda dit que le passage jusqu'à la cachette de l'abbesse est à l'intérieur. Sous les yeux du jugement. Qu'est-ce que c'est, les yeux du jugement? Nous allons nous installer à l'entrée de la caverne. Nous partirons au matin. Quel périple épuisant! Tu as peur? Imagine qu'une chauve-souris s'en prenne à ma chevelure, hein? Non, mais tu te rends compte. Alors comme ça, c'est toi qui étais chargé de protéger le sceptre? Tout à fait.
Je le suis toujours. J'ai fait attention à ce qu'il ne soit pas rayé. Et qu'il ne tombe pas à l'eau. Que le soleil ne ternisse pas sa couleur. Le soleil? Mais vous vivez sous terre? Une fois, j'ai même empêché une araignée de grimper dessus. S'il était au courant, les choses seraient bien différentes. Si t'étais chauve, j'ai remarqué que tu avais une curieuse forme de tête. Elle a raison. Si jamais c'était ici la cachette de l'abbesse, on dirait bien qu'elle n'est plus là. Elle nous a abandonnés. Mais je viens de te le dire, il n'y a aucune trace d'œil en peinture ou sous forme de sculpture. Je sais ce que je vois quand même. Regardez. Je suis Eryu, j'appartiens aux Danann, et je voudrais traverser la frontière. Reculez-vous, ça ne marchera pas avec vous. Je suis certaine que c'est pas ça les mots magiques. Peut-être que c'est une énigme, ou bien une charade. Abracadabra. Alakazam. Sésame, ouvre-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Chez moi, ce sont des mots très puissants. Comme je te l'expliquais, seuls les Danann peuvent traverser la frontière. Alors on fait quoi? Il n'a jamais franchi la frontière. Il ignore quels sont les rituels ou le genre de cérémonie qu'on doit effectuer. Une cérémonie? Donne-moi ton sceptre. Donne-moi la main. N'aie pas peur. Oh! Qu'est-ce que tu... Oh. Peut-être qu'il faut que ce soit une scène d'amour. Peut-être qu'il nous faut une preuve d'amour d'Anan. C'est peut-être ça que le rêve voulait dire. Quoi? Quel rêve? De quoi tu parles? Allez, on se réveille. Debout là-dedans. Tout va bien, très bien. Allez, prends sa main dans la tienne. Non. Prends sa main dans la tienne. Quoi que tu puisses imaginer qu'il existe entre cet écervelé et moi... Tu as peur de la vérité. Sache que j'ai peur de rien. Attention à ce que tu dis. Vas-y. D'accord, j'y vais. Merci, Evie. On n'y serait jamais arrivé sans toi. Tu es tellement fugée. J'entends tout. On frappe? À votre place, je m'abstiendrai. Qui êtes-vous? Salut, Dagda. D'où connaissez-vous Dagda? Tout le monde le connaît, imbécile. Pas de mariage, pas de roi. Nous sommes à la recherche de l'abbesse. Oui, on aimerait bien la retrouver. Vous voulez bien nous aider? Je vais essayer. Elles ne s'entendent jamais sur rien. Vous allez arrêter de crier, j'arrive pas à me concentrer. Il faut absolument que je comprenne ce qui se passe avant qu'ils arrivent. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Vous allez m'écouter! Il faut qu'on prépare nos armes avant qu'ils arrivent! Tu ne m'as toujours pas dit, alors ils seront combien? Si ça se trouve, on n'aura pas assez d'assiettes ni de couverts. Assez d'assiettes ni de couverts.
Enchantée. J'espère que le roi est un beau garçon, parce que je ne vais pas épouser un monstre. Tu ne vas épouser personne, parce que nous allons tous les réduire en miettes. Un mariage? On m'a pas dit qu'il allait avoir un mariage. Est-ce que nous allons avoir assez d'assiettes et de couverts? Eh oh! Je voudrais que ce soit elle qui officie à mon mariage. Elle est tellement élégante. Pas de mariage, pas de roi. Pas d'assiettes et pas de couverts. Les voilà. Où est passé mon roi? Il va venir jusqu'à moi. Où est cachée votre armée? En fait, nous cherchons Goûtez-moi la bête. Ça. Qu'est-ce que vous en dites? N'essaie pas de te moquer de moi. C'est pas assez cuit. Je vais leur envoyer tes doigts pour leur montrer de quoi je suis capable. C'est dégoûtant. Laisse-moi finir de lire. Le livre dit, la vérité est derrière ce que voient tes yeux. Et il rajoute, il faut souvent se rendre avant de gagner. Oh, je suis désolée, j'y comprends rien de rien. Ce livre raconte des sottises. Si on s'était rendu à l'heure qu'il est, on serait encore enfermés dans un donjon. De quelle direction vont-ils venir? Dis-le-moi. Dis-le-moi tout de suite. J'en sais rien. Qu'est-ce que vous faites? Veuillez relâcher cette demoiselle. Espèce de vilaine sorcière. C'est l'ennemi. Vilaine sorcière? Une bouche à nourrir. On dirait un enfant. Vous venez pour moi. Oh. Oh, les Milésiens arrivent. On doit partir. Dépêchons-nous. Au secours! Au secours, aidez-nous. Ils vont nous tuer, ces monstres. Je vous en supplie. Oh, ne craignez rien. Magnifique. Dagda avait raison. Elle ne nous a pas abandonnés. C'est toi qui m'as sauvée, Evie. Je me trouvais dans ce malheureux état de tristesse depuis de nombreuses années. Les trésors des Danann sont extrêmement puissants. Posséder l'un d'entre eux pendant trop longtemps risque de priver les autres de pouvoir. La légende dit que rendre les trésors aux Danann est le seul moyen d'annuler la magie du traité et d'abolir la frontière. Il y a autre chose. Les quatre trésors doivent être rendus ensemble et les deux lignées doivent être d'accord pour rompre le sort. Ça n'arrivera jamais. Soyons positifs, Lyr. Soyons positifs. Je sais ce que je dis. Ça n'arrivera jamais. S'ils refusent de nous les rendre, nous les prendrons. Si tu le dis... Il me semble que vous êtes venus pour reprendre ça. Si étrange. Si tu te concentres, la flamme te montrera ce qu'elle veut. Concentre-toi sur le chemin qui va te ramener chez toi. Je vois les bords d'un lac. C'est merveilleux. C'est le passage vers ton monde. Cherche le livre. Cherche le livre. Cherche-le, toi. Je vois... une tour? Non, c'est pas ça. C'est un monastère. Celui qui est au bord de la falaise? C'est à une journée de voyage. Dites-moi. Comment vous connaissez cette chanson que j'ai chantée? Allez-y! Ah! Ils vont démolir le mur! Il faut
faut qu'on retrouve le livre. Je croyais que tu rentrais à la maison. Mais vous pouvez pas vous débrouiller sans moi. Je t'ai pas attendu pour avancer. On ne va quand même pas se laisser insulter. Recommencez. Encore. Bon, il faudrait qu'elle arrête de se croire supérieure à nous. Il faut vous sauver, les miliciens vont bientôt arriver. Allez-vous-en. Et vous, vous faites quoi? Ne t'inquiète pas, je vais me débrouiller. Va-t'en et que les dieux te protègent. Continuez! C'était de la folie d'accueillir ces rebelles, Malvina. Ces gamins vont certainement périr. Et c'est vous qui serez responsable de leur mort. Peut-être bien. Ou ils vont peut-être sauver le monde d'un destin pire que la mort. Blessé, tu as ma parole. Sauf s'il nous donne pas le livre. Oh, entendu, pas d'assassinat. T'inquiète pas, on va être prudent. Je suis tout à fait capable de me débrouiller sans toi. Je t'ai pas attendu pour exister. Ça suffit. Nous y voilà. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Le livre, très certainement. Et si jamais il y avait un squelette? Je sens que je vais hurler. Oh, c'est pas vrai. Oh, et puis c'est sale. Lire, tu nous aides? Désolé. Quelle horreur! Je crois que c'est Golgedol, l'un des frères Dol. Qu'est-ce que... Ne me laissez pas tout seul! Il a rêvé qu'il volait, ça m'arrive très souvent. Mais il se sauve! Arrêtez-vous! Arrêtez, j'en peux plus de courir! Nous ne vous voulons pas de mal! Va-t'en, sale cheval, tu entends?
gens, j'en ai rien à faire qu'ils soient gentils. Ils veulent voler quelque chose qui m'appartient et je refuse de leur donner. De quoi? Oui, évidemment que ce livre est à moi. Je me souviens que je l'ai acheté. En fait, je l'ai trouvé dans... Non, je l'ai eu en échange de... Oh, je m'en souviens plus. Oh, vient d'une branche de ma famille. Ça y est, j'y suis. Alors, où en étais-je? Vous nous parliez du livre de la guérison. Ah, je te remercie. J'ai eu le livre de la guérison. Mais comment est-ce que t'étais au courant? Est-ce que tu es venu pour me le voler? Et me voler mon pouvoir? Tu es envoyé par le général Eder, je parie. Je sens la mauvaise odeur des Milésiens à des kilomètres à la ronde. Oh, ça suffit, Golgadol. Ne m'appelez pas comme ça. Je déteste qu'on m'appelle Golgadol. Bon, d'accord. Comment doit-on vous appeler? Mes amis me surnomment Gali. D'accord, Gali. Mais vous ne faites pas partie de mes amis. Non, je t'assure que non. Ce sont des voleuses de livres. Surtout la fille qui est rouquine. Quoi? Mais vous comprenez ce que dit Dagda? Ça va de soi. Quelle question. Wow. Bien sûr. Comment ça se fait, d'ailleurs? C'est parce qu'on est frères. C'est parce qu'on est frères. Votre frère? Son frère? C'est ce que je viens de dire. Enfin, vous êtes sourd, c'est pas possible. Tu es mon frère? Mon frère, je t'ai cru mort toutes ces années. Pourquoi est-ce qu'il enlace ce cheval? Pourquoi est-ce qu'on s'est pas retrouvé plus tôt, mon frère? Je me sentais tellement seul au monde. C'est incroyable que tu sois si grand. Oh! C'est vrai que j'ai raté ta petite enfance, et plein d'autres choses. Dagda dit qu'il a été mortellement blessé par les Milésiens dans la forteresse. L'abbesse l'a ressuscité et l'a transformé en Kelpie. Si tu savais tout ce qui est arrivé. Beaucoup de choses pendant ton absence. Regarde. Je possède tout ce que tu vois. Tous les royaumes qui peuvent exister sont à moi. Alors tu as le droit de trotter là où tu veux. Mais qu'est-ce que vous racontez? Oui, eh ben... Il faut que tu le saches, mademoiselle la rouquine voleuse de livres. Je suis un dieu vivant. Ah oui. Tout à fait. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Non, c'est faux. Si, je suis un dieu. Écoutez, ce n'est pas qu'on ne croit pas ce que vous dites, c'est... Si, c'est ça. Je crois pas ce type. Surtout ne facilite pas les choses. J'ai été calciné, congelé, déchiqueté par une meute de loups, jeté d'une falaise située à 2000 mètres sur des rochers hyper pointus. J'ai été noyé, frappé par la foudre, écrasé par une énormissime et cruelle vache. J'ai eu les yeux crevés, les tympans percés. Je me suis moi-même arraché le cœur, puis je l'ai émincé en petites tranches fines. Je me suis coupé en quatre pour avoir des amis. Et il ne m'est rien arrivé du tout, rien du tout. Je suis invincible, je suis indétrônable, je suis un dieu. Est-ce que je pourrais avoir la preuve que vous avez le livre de la guérison? C'est hors de question. Mais c'est pour ça que vous êtes venu. Le livre va nous aider à empêcher les Milésiens de détruire les Danann. Il ne nous reste plus que 2 jours, sinon les Danann devront tous périr. Oh, pourquoi ne pas l'avoir dit depuis le début? Bon sang. Tiens, le voilà. Pour être tout à fait franc, je commençais à en avoir assez de me le trimballer. C'est assez ennuyeux comme lecture, je vous préviens. Eh bien, j'ai été ravi de vous rencontrer, frérot. J'espère qu'on va se revoir sans tarder. La prochaine fois, je te paye un coup. Bonne chance à vous trois pour la suite. Ouais. Elir, est-ce qu'on voit le monastère d'ici? Non. Je ne pense pas qu'on puisse l'apercevoir de là où on est. Tiens. Oh. Oh, punaise, alors en voilà une grosse mauviette. Ça continue à saigner. Mais c'est pas le bon livre. Gali! À moi aussi, vous me manquez beaucoup, les amis. Gali! Où est-il passé? Gali! Gali, je sais que vous êtes là! Et que vous entendez ce que je dis. Nous ne sommes pas venus vous déposséder, vous savez. Votre peuple court un grand danger, et c'est de vous qu'il a besoin. Ah.
On n'a plus de temps à perdre. Et si ça se trouve, ce malade est bien loin de nous déjà. Il est peut-être en train de courir. On devrait se séparer pour essayer de le retrouver. Gally, se retrouver seule au monde, je connais. Je sais ce que c'est que de ne pouvoir compter que sur soi. Et même si on a le soutien de sa famille, c'est inutile. J'ai ressenti ça toute ma vie. Mais ton peuple est généreux. Tous ces gens sont avec toi. Je suis sûre que ton frère tient beaucoup à toi, parce qu'il nous a conduits jusqu'ici dans le but de te retrouver. Tu ne seras plus jamais seule, Gally. Tu ne seras plus jamais seule. Et puis qui a envie d'être invincible, en fait? Ça doit être super pénible. La flamme nous montrera sa cachette. C'est vrai que c'est super pénible. C'est affreusement nul. Vous vous imaginez même pas. Avez-vous déjà été avalé par une baleine? Il a fallu que j'attende qu'elle me rejette. Plusieurs mois, ça a duré. Et c'est pas très confortable à l'intérieur. Et c'est là qu'elle a dit, c'est assez. Ouais. Jeune fille, nous allons faire un échange. Tu peux m'appeler Evie. Ah, je vais faire un échange avec toi alors, Evie. Le livre de la guérison. En échange d'une amie. Qu'est-ce que tu en dis? Tu veux bien être mon amie? Pourquoi pas trois pour le prix d'une? Avec un frère compris dans l'eau. Un frère. Tiens. Aller soigner le dernier membre de la bande. Ça lui fait rien. Le livre va peut-être le guérir de son problème de franchise. Ça alors, ce serait une bonne chose. Je dois reconnaître que je me suis plutôt attachée à ce garçon. Comme un amoureux? N'exagérons rien. Mais je ne demande qu'à le connaître mieux pour voir s'il en vaut vraiment la peine. Ça va être ton tour de guérir, mon frère. Ne faites pas attention à nous. Nous ne faisons que nous réjouir de cette scène si touchante. Les Milésiens! Cours, Erio! Cours! Va-t'en! Laissez-la s'enfuir. Nous avons ce que nous voulions. Ces reliques sont les symboles des Danann. Cette journée est encore bien plus fructueuse que je l'espérais. Et vous, qui êtes-vous, jeune fille? Je m'appelle Evelyn. Mais tout le monde m'appelle Evie. Et quelle est donc votre mission, Evelyn? Je veux seulement rentrer à la maison. Ah, tiens donc. Et elle se trouve où, cette maison, jeune fille? Elle est dans le Vermont. Je ne connais pas cette terre. Ça m'étonne pas trop. Partons d'ici! Evelyn, pourquoi aides-tu les Danann? Leur combat t'est étranger.
Les Danann ont été contraints par un tyran d'abandonner tout ce qu'ils aimaient et de vivre en sous-sol. Tout ce qu'ils souhaitent, c'est récupérer leurs habitations et vivre en paix. À mes yeux, c'est une cause qui vaut la peine qu'on s'engage. Tu n'as eu qu'une seule version de l'histoire. Il en existe une autre ? Non. Pourquoi soutenez-vous les Milésiens ? Parce que je suis l'un d'entre eux. Et alors ? On ne m'a jamais posé cette question. Je comprends que le général Eder est un faible pour toi. Je croyais que vous étiez censé tuer cet enfant, puis vous deviez apporter son cœur au général. Ne te mêle pas de mes affaires si tu as envie de survivre à cette nuit. J'ai eu une fille. Elle aurait à peu près ton âge. Tu me fais beaucoup penser à elle. Où est-elle ? La Grande Guerre me l'a enlevée. Elle et sa mère. Elles ont été tuées par les Danann ? Elles ont été tuées par des hommes. Peu importe les hommes. Ces monstres détruisent tout, Evie. Aucun homme n'échappe à la règle. C'est pour cette raison que je n'aime pas cette espèce. Je ne ressens envers eux que de l'indifférence. Tout ce qui m'intéresse, c'est leur or. Je pense que vous êtes meilleur que ce que vous prétendez. C'est ce que tu penses ? Qu'est-ce qui a bien pu t'amener à croire une telle chose ? Vous êtes méchant, mais je sais qu'il y a du bon au fond de vous. Vous croyez que votre fille aurait soutenu quelqu'un si elle avait été à ma place ? Il n'y a rien de bon en moi, Evelyn. Rien du tout. J'ai fait des choses que ton esprit innocent ne pourrait même pas imaginer. C'est moi qui effraie les enfants dans le noir. Je suis le chacal qui tourmente les plus faibles. Je n'aime personne, je n'éprouve aucun sentiment, je ne ressens rien du tout. Si jamais tu cherches un sauveur, prépare-toi à être extrême, désabusé par moi. Je sais que tu peux lire dans mes pensées, mais je ne m'explique pas pourquoi. En revanche, je te promets que je ne me laisserai pas vaincre aisément. Fais très attention à toi, petite fille, sinon tu risquerais bien de perdre la vie. Non, je ne vous crois pas. Eryu, je savais que tu allais arriver, je le savais. Va retrouver Dagda dans la forêt, sauve-toi. Cours ! Dépêche-toi. Evelyn ! Eryu ! Je te l'avais dit. Je te l'avais dit, Evelyn. Je ne ressens rien. Pas Rémi. Attends. Non ! Rien du tout.
On dirait qu'il ne reste plus que nous. Désolé de t'avoir laissé seul. J'avais besoin de réfléchir. Dagda ? Daimin est mon nom de naissance. Mais j'avoue que je préfère Dagda. Je sais pas comment te le dire, mais dans la caverne, Eryu... Elle n'a pas été blessée. Elle avait le livre de la guérison. Cependant, son plan était bien risqué. Je suis désolé de tout ce que tu as dû supporter depuis que tu es arrivée ici, Evie. Mais pourquoi m'avoir amenée ici ? Il y a tellement d'autres personnes de mon monde qui auraient pu vous aider mieux que moi. Il fallait que ce soit toi. Mais c'est n'importe quoi. Pourquoi ? Tu sais, Evie, je m'en veux suffisamment comme ça. C'est elle qui va t'expliquer. Qui, elle ? C'est qui, elle ? De qui parlez-vous ? De la reine. Eryu lui a envoyé un message. La reine ? Je suis censée rencontrer une reine ? Écoutez, ça commence à bien faire maintenant. Eryu est sûrement dans un donjon milésien à cause de moi. Eryu s'est sacrifié pour que toi, tu puisses être ici. Mauvaise idée, très mauvaise idée. Je ne suis pas une vedette, moi. Je suis quelqu'un sans importance. Je suis une petite fille qui vient de nulle part. Quand allez-vous finir par comprendre ça ? C'est au-delà de son entendement. Parce qu'il t'a connue alors que tu étais toute petite. Il sait exactement qui tu es et d'où tu viens. Majesté. Je réglerai ton cas tout à l'heure, Daimin. Que reprochez-vous à Dagda ? Tu ne devrais pas être ici, Evelyn. Oui, je sais. Tu es devenue une si jolie jeune fille. Le fait de te revoir me rend très nerveuse. Pourquoi le fait de me voir vous provoque-t-il tant d'émotions ? Une mère espère toujours que sa fille aura de tendres pensées pour elle, quoi qu'il ait pu se passer. J'ai cru que peut-être je ne te reverrai jamais. Tu dois te poser de nombreuses questions. C'est pendant la Grande Guerre. Un cavalier milésien est tombé amoureux de la princesse Danann. C'est l'abbesse qui les maria en secret. Et très vite, la princesse eut un enfant. Le guerrier et la princesse étaient décidés à vivre leur amour au grand jour. Mais hélas, la guerre s'étendit à tout le pays. Elle sépara les amants. Et après la perte épouvantable de son père, la princesse devint reine sans y avoir été préparée. C'est l'avenir de tout un peuple qui dépendait désormais d'elle. La reine savait que son enfant détenait un secret extraordinaire, et qu'à cause de ça, elle serait la cible de nombreux ennemis. C'est pourquoi elle fit appel à l'abbesse. Et lui demanda d'envoyer son enfant loin de tout danger, protégé par son père bien-aimé. Mon père est un Milésien ? Ton père avait été blessé et il avait dû fuir la colère de son propre peuple. Il me manque terriblement. L'enfant est revenu à Albion, finalement. Malheureusement, cet enfant n'a pas encore reçu la bienvenue que sa mère rêvait qu'elle reçoive à son retour. Vous ai-je beaucoup manqué ? Aucun jour, aucune heure ne s'est passée sans que mes pensées se soient tournées vers toi. Devoir te laisser partir a été le pire moment de toute ma vie. –
c'est vous qui avez choisi de me donner. La vérité est pire que de vous avoir cru morte. Je ne t'en veux pas pour ta colère. Tant mieux. Ça a vraiment été difficile de ne pas avoir de mère. Mon père a été génial, mais... Evelyn. Evie. Evie. Je suis profondément désolée. Pourquoi Dagda pense-t-il que je peux vous aider ? Si on veut mettre fin au sort qui pèse sur la frontière, les quatre trésors des Danann doivent être enfin réunis. Et ensuite, les deux peuples réunis pourront décider d'annuler le traité. Mais moi, je peux le faire. Je possède les deux sans mêlée. Je peux le faire même si les Milésiens ne l'acceptent pas. Même si je suis celle que vous dites, ça ne signifie pas que j'ai toutes les qualités pour prendre d'assaut une forteresse. Je t'interdis de faire ça. Molly avait raison. Je ne suis qu'une petite palefrenière. Evie. Eryu et l'abbesse parlent souvent d'une jeune fille qui est aussi généreuse qu'elle sait être courageuse. Aussi intelligente qu'elle est honnête. Il faut être quelqu'un de très spécial pour réussir à posséder autant de qualités. Mon père me l'a souvent dit. Je voudrais faire quelque chose. Je voulais simplement voir ce que ça faisait. Maman ? J'ai si peur. C'était toi, alors ? Je m'en souviens. C'est une ancienne chanson d'Albion. Ma mère me la chantait lorsque j'avais peur. Venu des Danann, vais-je manger en premier? Mon voyage a été une très grande réussite, monseigneur. Oh, quelle chance! Erimon, pour tout ça, tu vas recevoir ton propre royaume. Il ne sera pas aussi grand que le mien, cela va de soi, mais c'est quand même pas mal, hein? Je sens leur énergie qui palpite à travers eux. C'est à croire que leurs esprits sont tous réunis. Idiots ! Oh, je veux les écraser ! Ils ne me font pas peur ! Je n'ai peur de rien, ni de ces vilaines petites souris qui viennent me chatouiller la nuit, ces vilaines petites coquines avec leurs griffes qui essayent sans cesse de me... C'est le baromètre de la vérité ? Le sceptre de la vérité, en effet. Bien ! Rassemblez les trésors ! Je vous interdis de toucher au chandon ! Vous voulez que je meure de faim, sans doute ? Mettez-les en exposition sur le mur, afin que je les contemple, pendant que leurs propriétaires vont être écrasés comme de vulgaires insectes. Les Danann sont pacifiques, espèce de créature répugnante. Où est votre honneur ? J'exige qu'elle soit battue et ensuite tuée. Ce sera fait, monseigneur. Et pour vous assurer qu'elle est morte, vous la battrez à nouveau. Nous serons sans pitié aucune, monseigneur. Je suis volontaire pour être battue à sa place. Mais qu'est-ce que tu racontes ? J'insiste.
Regardez mon magnifique visage. Ce n'est pas le visage d'un homme qui mérite d'être battu, quand même. Quand vous le comparez au visage qui est le vôtre, à votre place, j'essaierai de prendre exemple sur moi, au lieu de vous intéresser à cette espèce de mocheté. Tu trouves que je suis laide à ce point-là? Non, c'est seulement un mensonge. C'est si drôlatique. Tuez cet homme! Tuez-le! 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 Comment oses-tu parler de notre général de cette façon? Mais ça va, oui. Je suis très en pétard! Parce que je déteste qu'on critique mon merveilleux maître. Je maudis encore le jour où je suis né d'Anan. Souvent, la nuit, je rêvais que j'étais un Milésien. Je dois reconnaître que j'avais pris l'habitude de mettre le symbole Milésien sur mon armure pour qu'on me prenne pour l'un des vôtres. Je voudrais tant vous ressembler. Et votre odeur m'enchante. Votre manière de manger est délicieuse. Je me jette humblement à vos somptueux pieds, maître. Utilisez votre pouvoir souverain afin d'éradiquer cette vermine de Danan et je vous servirai jusqu'à la nuit des temps. Celui-là, je le garde. Donnez-lui une de nos tuniques. Qui a dit que je n'avais pas de cœur? Quant aux deux autres, jetez-les dans le donjon. Dès demain matin, ils seront battus à mort en public. Je veux qu'il y ait beaucoup de monde. Convoquez un orchestre également. Je veux qu'on s'amuse. On ne fait pas la fête assez souvent. Erimon! Oui, monseigneur. Est-ce que vous vous êtes débarrassé de ce dont je vous ai parlé? Pas encore, mais bientôt, monseigneur. Oh! Une fillette réussirait-elle à tenir tête à mon plus grand guerrier? Rassurez-vous, je maîtrise la situation. Je déteste les mystères qui entourent cet enfant. Elle sait que nous détenons ses amis. Alors elle va venir à nous, monseigneur. Ah! Alors ce n'est qu'une idiote! C'est pire que ça. Elle est suicidaire? C'est pire que ça. Elle est déterminée, courageuse et habitée par une grande foi. Ce soir, hélas, c'est sa fin qui s'annonce. Qu'il en soit ainsi. Monseigneur. À l'heure la plus sombre de notre histoire, nous sommes vraiment bénis de t'avoir comme champion. Veille sur mon père. Assure-toi qu'il n'est pas triste. Il existe un passage secret souterrain. Le même que Daemin et Golgadel ont emprunté pendant toutes ces années. Il ne nous reste plus que quelques heures. Alors je dois t'ouvrir mon cœur, sans retenue. Je doute que ce soit l'endroit le plus... Tais-toi. Mon éclatante beauté. Bien que tu sois moins futée que je le suis, j'essaie d'être objectif. Vas-y, dépêche-toi, dis ce que t'as à dire. D'accord. Où en étais-je? Bien que tu sois moins futée que je le suis. Ah, ça y est. Bien que tu sois moins futé que je le suis, mais ça, tu le sais c'est déjà. C'est sûr. Tu as toujours possédé une originalité que je trouve vraiment tout à fait étourdissante. Tu ne ressembles à aucune autre femme que je connais. Tu ne passes pas ton temps à me flatter, à m'offrir des cadeaux,
à m'écrire des poèmes qui vantent ma grande... Bon, bref, tu me donnes vraiment envie de devenir différent. Afin qu'un jour, tu puisses m'aimer. Ne cherche pas à être différent. Essaye simplement d'être un peu moins bavard et ça ira. Je vais essayer. D'accord. Vous êtes trop mignons tous les deux. Amy, tu es venue. Je suis ravie de te revoir, mais il se trouve qu'Eryu était sur le point de m'embrasser. T'embrasser? C'est lui qui voulait m'embrasser n'importe quoi. Comme on dit au poker, je me couche. Bon, allez, en route. Comment es-tu arrivée ici? Grâce au passage secret, on a eu ton message. Je te raconterai tout plus tard. Soyons silencieux comme des souris. Oh, de toutes petites souris. Toutes petites. On va peut-être trouver de l'aide ici. C'est moi qui viens de faire ça. Croyez-vous pouvoir aller comme ça? Le général a demandé à ce qu'on lui amène cette captive sur le champ. Je dois aller demander confirmation. Non, c'est pas la peine. C'est pas une bonne idée. Disons que nous vous suggérons de ne pas le faire. Et pourquoi est-ce que je ferai ce que vous dites? Eh bien... Dis-lui, toi. Vous ne devriez pas demander confirmation parce que... Le général, il ne vous aime pas du tout. Oh, il se trouve que le général a épargné ma vie il y a quelques jours. Ça, c'est ce que vous croyez. En réalité, il a juste oublié de vous faire assassiner. Oh, le général me déteste. J'ignore ce que je lui ai fait pour ça. C'est trop injuste. Eh bien, peut-être se sentira-t-il mieux quand il aura mangé. Il a dit qu'il allait l'avaler toute crue. Sur ces bonnes paroles, allons-y. J'adore la soupe. Ce que les gens ont parfois du mal à comprendre, c'est que lorsqu'on a vécu dans le rectum d'une baleine pendant des semaines, tout ce qui vous arrive ensuite est fantastique. Hein? Regardez ce verre. En fait, qu'est-ce qu'il fait de sa vie? Qu'est-ce qu'il a comme hobby? Ma petite mère adorée me surnommait Verre de Terre. Oh, quel délicieux sobriquet. Je l'ai empoisonné. Je n'avais que 10 ans. Je déteste les surnoms, moi aussi. Evie. Alors, comme ça, tu es venue. Mais Raymond avait raison à ton sujet. Tu es un moustique attiré par les flammes. Dis-moi, petite vermine, qui es-tu? Je vais la noyer. Comme c'est bizarre. Ton odeur est aussi familière que la mienne peut l'être. Et cependant, tu es une étrangère. Je te repose la question à nouveau. Qui es-tu? Tu vas être succulente à dévorer. Je suis votre petite fille. Voilà qui est absurde. Quelle idée de dire tous ces mensonges quand tu sais que je vais te faire tuer. Parce que c'est la vérité. Votre fils est mon père. Mon fils est mort. Baliverne, il est en vie. Et nous habitons le Vermont. Le Vermont? Je savais qu'il y avait une raison au fait que tu entendes nos pensées, petite fille. Arrêtez-les. Tu n'en as pas assez d'essayer de sauver les hommes, petite fille? En fait, vous aviez raison. À propos de tes idées loufoques? Sur le fait que je serais déçue par vous. Hé, Jabba! Comment tu m'as appelée? Il déteste les surnoms, petite. Vous ne savez toujours pas qui est ma mère? Je ne veux même pas savoir avec quelle traînée mon fils s'est accouplé pour te concevoir. Mais je sais que c'est une Danane, parce que sinon, je n'aurais pas la sensation que ton sang est si mélangé. Vous avez raison, mais ce n'est pas n'importe quelle Danane. Ma mère est la reine, figurez-vous.
En effet, je suis une enfant de sang mêlé. Alors au nom des peuples milésiens et d'Anan... Quoi ? J'annule le traité. Votre règne s'arrête donc immédiatement. Est-ce que... Vous avez entendu parler cette petite... Ça, alors, c'est la meilleure... Est-ce que tu imagines ce que je vais pouvoir faire de toi, ma chère petite fille ? Pour avoir le moindre pouvoir, il faut que tu sois en possession des 4 trésors ! Tu pensais vraiment qu'une fillette comme toi allait arriver jusqu'ici ? Et qu'elle réussirait à me destituer de mon pouvoir ? Je reste le général en chef ! Vous êtes complètement fous, libérez le peuple d'Anan ! Eryu ! Non ! Je vous interdis de toucher un seul cheveu de mon maître ! Il est bon, il est généreux ! Enfin, tu vas me lâcher, espèce d'abruti fini ! Maintenant, délicieux enfant, je veux que tu découvres cette grande joie d'être tranché en deux. Le chaudron ! Où est passé mon chaudron ? Qu'est-ce qui est arrivé à mon chaudron ? Je crois qu'il est temps d'y aller, Evie. Gali, t'es vraiment le meilleur. Ça y est, je le vois. Récupérez-le, vite ! Ça alors, si je me doutais. Quelle aventure ! Attrapez-le ! Attrapez-le ! Attrapez-le, il a volé le chaudron ! Souffle-toi, Evie ! De la soupe ! Capturez-le, ce double traître ! De la soupe très très chaude ! Maudit sois-tu, espèce de double traître ! Méchant ! Cette soupe est bien trop brûlante ! Oh, mes jolies phalanges ! Ça, ça s'appelle donner un coup. Evie ! Eriman ! Vas-y, tu l'as ! Pour une fois, prouve que tu sers à quelque chose ! Comme je te l'ai dit, je ne donne mon amour à aucun homme. Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Ma fille était délicieuse. Et je suis persuadé qu'elle aurait lutté à tes côtés, Evie. Il faut sauver ton peuple. Non ! Non ! Non ! Sauve-nous tous. Non ! Evie ! Vous êtes un homme horrible et un général nul. Vous ne pouvez plus rien contre les Danann. J'annule le traité et ouvre les frontières. Ouvrir les frontières conduira à une nouvelle grande guerre dont tu seras la seule et l'unique responsable. Non, parce que la guerre est finie. C'est ce que les hommes adorent faire. Ils font la guerre et puis ils meurent. Ils font rien d'autre. Et d'ailleurs, on va tuer les gens de chez toi. Allez, vas-y, tue-les. Tue-les, je te dis. Le premier qui osera lever la main sur elle perdra aussitôt cette main. Dans cette lutte, je te jure que tu vas y laisser... ta peau, Eriman. Peut-être bien, mais pas ce soir. Qu'est-ce que vous venez faire ici ? Comment osez-vous venir jusqu'ici ? La gare ! Venez, dépêchez-vous, c'est un ordre ! Partez ! Allez-vous-en ! Vous êtes dans mon palais ! Vous n'avez rien à faire ici ! Partez ! La gare ! Evie ! Thank you.
ne vous remercierons jamais assez de tout ce que vous avez fait. Nous profitons enfin du soleil, ce qui ne nous était pas arrivé depuis des lustres. Et nos trésors sont tous réunis. Le monde retrouve son équilibre. La paix a toutes ses chances à nouveau, maintenant qu'Eremon a remplacé le général et qu'il est monté sur le trône. Nous sommes en sécurité. Pour l'instant. Quand te reverrai-je ? Très vite, j'en suis sûre. Vais-je retrouver mon chemin pour rentrer chez moi ? Garde les yeux bien ouverts. Et lorsque tu arriveras près d'un endroit que tu trouveras magnifique et paisible, ce sera le bon. Mais oui, tu en auras le souffle coupé en arrivant. Tu seras à l'endroit où nos deux mondes se rejoignent. C'est ce chemin-là qui te mènera jusqu'à Albion. Tu es tout ce que j'ai de plus cher. Tu es devenue exactement celle que je rêvais que tu deviennes. Surtout, dis à ton père que je l'aime comme avant. Sache que je serai toujours là pour toi. J'attendrai ton retour. En route. Evie, est-ce que tu m'entends? Je suis morte, ça y est. Je suis au ciel. Tu crois vraiment être au ciel, à ton avis? Tu nous as fait une de ces peurs, Evie. Nous étions fous d'inquiétude. Où est-ce que tu étais passée? Je suis allée dans les bois. Là, il y avait un cheval, un kelpie. Un quoi? Papa ? Evie, j'ai cru que je t'avais perdue. Excuse-moi de t'avoir causé du souci. Ça fait rien. Tu es là. Et c'est la seule chose qui compte. Maman t'aime toujours. Eh bien, nous avons des tas de choses à nous raconter, alors. Ça, c'est vrai. Tu marches ? Il faut du courage pour vaincre ses peurs, n'est-ce pas? Alors, ça va aller? Oui, tout ira bien. Evie,
Voici notre nouvelle instructrice. Ravie de te rencontrer, Evie. Moi aussi. Est-ce que tu as vu cet étalon? Il est magnifique. I heard you songbird crying out loud. So I came to see what you were crying about. You were broken wings. On remet ça.